Allez, c'est parti, il est temps de passer au tuto. Vous avez vu la vidéo, la démonstration, vous avez sûrement essayé, vous avez peut-être besoin des réponses à vos questions. Et bah, du coup, on va vous montrer ça. On a mis donc le vélo pour le challenge No Hand to Start. Donc, on pose le vélo délicatement, plutôt dérailleur vers le haut. Hein, on peut essayer de varier, mais du coup, il faut vraiment penser à bien poser le vélo pour éviter d'abîmer la machine. On met la pédale vers le bas, important. La pédale au plus bas, la pédale droite, là où je vais venir mettre mon premier pied. Et la selle plutôt à mi-hauteur. D'accord, important. Si c'est trop, vous allez avoir beaucoup de mal, vous allez devoir beaucoup écarter pour lancer votre vélo. Ça va être un peu juste aussi pour s'asseoir. Tout en bas, vous allez avoir moins de bras de levier. Voilà, donc je conseille plutôt de manière intermédiaire. Vous pouvez essayer de varier si ça peut vous aider. On essaye d'avoir un espace dégagé. On n'a pas besoin de beaucoup de place pour cet exercice, pardon. On se reprend et donc voilà, on est prêt pour essayer. Le petit geste qui va faire la différence, ce n'est pas celui-là. C'est pas en poussant fort sur la pédale que je vais réussir à lever le vélo, du tout. Le geste va se passer avec le pied gauche dans mon cas présent, et donc je vais venir installer mon pied sous la selle. D'abord à côté, et après avec le geste, je vais crocheter un petit peu ma selle avec la cheville, le rebord de la chaussure. Je vais un tout petit peu m'aider du pied droit, mais c'est vraiment minoritaire. Et je vais essayer de redresser le vélo droit pour pouvoir démarrer et donc attraper le guidon une seule fois que le vélo sera dressé. Si je l'attrape en cours de route, forcément, c'est un peu raté pour le challenge. Après, pour vos petites vidéos, c'est sympa si on sort du champ pour ensuite y venir. Hein, ça fait toujours qu'on a essayé du premier coup. Vous allez voir qu'il va falloir quelques essais, donc ne persister. Hein, toujours dans les apprentissages, il faut lutter et réessayer pour réussir. Et on va donc s'élancer. Le vélo est en place. On arrive, on place ses pieds, on envoie. Hop, et on est parti. Je vous remonte tout ça avec un autre angle. Important de varier les angles pour que vous puissiez bien voir tout ça. Hop, on propose ça délicatement, pédale en bas, la selle n'a pas bougé, le vélo est en place, on arrive, on se positionne, hop, je vous le fais doucement, je suis positionné, j'envoie, hop, et ça roule. Et là, on est bon. Il n'y a plus qu'à essayer. N'hésitez pas à poser vos vidéos avec le hashtag No Hand to Start. Et puis, on espère que ça marchera pour vous.